l'invité du 16-20. Soyez les bienvenus sur RFM. Notre invité aujourd'hui en direct, c'est Emmanuel Moire, le retour. Salut Emmanuel. Salut. Je dis Manu, salut Manu. Oui, bah ça marche aussi. Hein. On s'était vu il y a quelques années. Ouais, ça fait au moins 4 ans, je crois, 4-5 ans. Pour La Promesse, et là c'est ton retour avec une nouvelle chanson qui s'appelle « Sois un homme ». Bah ouais. Nouvelle chanson que tu vas nous chanter en direct avec un deuxième live. Donc là, je réserve un petit peu la surprise. Alors, j'ai vu la pochette et j'ai tout compris. En fait, c'est toi petit. Bravo. T'as 5 ans. J'ai écouté les bougies, donc t'as 5 ans. Ouais. Et donc, le message, c'est voilà, on t'a dit qu'un homme, bah, ça pleure pas, ça se plaint pas, ça montre pas ses émotions, etc. C'est un petit peu ce qu'on a voulu t'inculquer, c'est ça? Bah, comme beaucoup d'hommes, je crois, en fait. On trimballe un paquet d'injonctions comme ça, qu'on se transmet de génération en génération, qui nous correspond pas forcément. Moi, j'avais le sentiment souvent de porter un costume qui était trop lourd et pas du tout adapté ni à ma nature, ni à ma sensibilité, ni voilà, à ma force aussi. J'avais l'impression que je pouvais être fort autrement qu'avec des clichés, on va dire. Voilà. Ouais, d'être un mec, un vrai, quoi. Un tatoué. Bah, rien que ça, tu vois, elle est ridicule cette phrase, par exemple. Un mec, un vrai, ça veut rien dire. Donc évidemment, ouais, cette chanson, pardon, elle questionne sur l'identité masculine, sur la construction masculine. Et mais je me raconte aussi dans ce titre, évidemment. Ouais. On va l'écouter en live dans un instant. Je voulais réécouter un morceau de La Promesse. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était avec cette chanson. Je me fais la promesse, je me fais la promesse de vivre enfin quand mon cœur bat. Là aussi, hein, c'était un petit peu le message, c'était je veux être moi-même. Ah déjà. Je crois que ouais, peut-être sûrement la musique m'aide aussi à m'ouvrir. Et puis c'est que ça modélise aussi, c'est-à-dire que je conçois tout le temps la musique peut-être comme des choses, comme un hymne à chaque fois, qui aussi donne envie aux autres de s'ouvrir, de s'affirmer, de pas avoir peur de mettre en avant sa singularité, son authenticité. Ouais, et c'est vrai que on nous apprend pas à faire ça. Hein, pour être honnête, que ça soit un homme ou une femme d'ailleurs. Et t'as pris du recul après, t'as eu envie peut-être de prendre un petit peu de distance avec la musique. Tu veux dire le silence de 4 ans, c'était quoi? Oui, c'est vrai, t'as fait d'autres choses, je sais. Oui, j'ai fait d'autres choses. Et puis surtout, c'est que j'ai toujours besoin de vivre entre deux projets, parce que j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin d'avoir de nouvelles choses à raconter. Donc ça prend un petit peu de temps et j'aime le temps de faire les choses. Voilà, j'aime pas me précipiter. Bon, là, c'est vrai que j'ai pris un petit peu plus de temps que d'habitude. Voilà. Et ben, ce premier live, on va le faire maintenant. Ça, mon Dieu. Soit un homme, c'est la première fois en radio où on est sur la page Facebook d'RFM aussi, parce que tout est filmé. Le temps de boire un peu d'eau. Et puis, c'est la première fois, donc ça nous fait extrêmement plaisir de recevoir Emmanuel Moire. On est en direct, donc je laisse s'installer avec le tabouret, le casque, soit un homme. C'est le premier live du 16-20 RFM. Emmanuel Moire est notre invité sur RFM. On m'a demandé d'être dur, on m'a demandé d'être fort, au point d'abattre ce mur et puis d'en construire encore. On m'a dit faut des blessures, au moins des bleus sur le corps. C'est même à ça qu'on mesure tous ceux qui font des efforts. Tous ceux qui font des efforts. Sois un homme, sois un homme, sois un homme qui ne soit pas qu'un homme. Un homme qui ne soit pas qu'un homme, sois un homme, sois un homme qui ne soit pas qu'un homme. Moi, j'ai rien demandé. Non, j'ai rien demandé à personne, à personne. Qu'à franchir cette foutue ligne d'arrivée. On m'a dit il faut séduire, toucher les corps, les compter, que l'important c'est d'en jouir et de brandir le trophée. Sois un homme qui ne soit pas qu'un homme. Un homme qui ne soit pas qu'un homme. Sois un homme, sois un homme. Un homme qui ne soit pas qu'un homme. Moi, j'ai rien demandé. Non, j'ai rien demandé à personne, à personne. Moi, j'ai rien demandé. Non, j'ai rien demandé à personne. Et personne ne me dit, personne ne me dit.
demandé de me taire, de tout garder en dedans. L'émotion, à quoi ça sert? T'as plus qu'à serrer les dents. On m'a dit tu sais quoi faire, et puis t'es plus un enfant. C'est pour les filles les manières, les mecs ça prend pas de gants. Moi, j'ai rien demandé à personne. J'ai rien demandé à personne. Et personne ne me dit, personne ne me dit comment être un homme. J'ai rien demandé à personne. J'ai rien demandé à personne. Et personne ne me dit, personne ne me dit comment être un homme. Un homme. Wouh! Magnifique. Une première. Emmanuel Moir est notre invité. On est en direct sur RFM. Nouveau single, Sois un homme. Ça va mieux? Oh la vache. C'est physique. Ouais, il fait chaud un peu dans le ouais, studio. Non, mais ça va. Non, mais c'est, ouais. C'est un petit stress aussi de le chanter pour la première fois. C'est le début de l'aventure pour moi avec ce nouveau titre. Ça nous fait extrêmement plaisir que ce soit ici sur RFM où tu es chez toi, évidemment. Question obligée. Un album à venir? Oui. Oui, c'est le début de l'album qui va arriver en fin d'année. Il n'est pas totalement terminé, pour être honnête. D'accord. Donc voilà, je continue à travailler dessus, mais voilà, le titre est un peu à l'image de ce disque. C'est une invitation au lâcher prise, à l'affirmation de soi. Il y a quelque chose d'apaisé dans ce disque qui me plaît beaucoup. Voilà, moi qui ai couru longtemps pour m'améliorer, pour être une meilleure version de moi-même, là, il y a quelque chose de l'acceptation, tout simplement. Mais je te sens, quand on s'est vu tout à l'heure, tu es arrivé dans le studio, on a fait des répétitions, je te sens apaisé, je te sens bien dans ta life, bien dans ta peau, ouais, puis voilà. Après, pour être honnête, je suis aussi heureux de revenir en chanson, ouais. Ça m'avait manqué, donc ouais, je suis dans la joie en ce moment-là. Alors il y a homme dans le titre de ta chanson, on va faire un petit quiz avec des chansons qui comportent dans le titre le mot homme. Oh là, tu vas voir, on a été sévère, on a été dur. Allez, quelques extraits, tu dois reconnaître qui chante, évidemment, c'est parti. Bah, Patrick Bruel, eh oui, place des grands hommes. Ouais. Tu as vu, je t'ai dit qu'on était dur, hein, on était très difficile. Margot, suivant. Zazie, le titre. Attends. Bah, eh oui, je te l'ai pas mis au moment où elle dit le titre, parce que je suis un malin. Je suis. Oui. Je suis un homme, c'est ça. Je suis un homme de Cro-Magnon. Oui, c'est ça. Ah, c'est bien, oui, parce t'as que. Vu le buzz, t'as vu la panique dans mes yeux. J'ai vu un peu. Attention, extrait suivant. C'est Claudio Capéo, ça? Absolument. Un homme debout. Bravo. Oh. 2 points pour Emmanuel Moir. Et 3 même. Et le dernier. Ah, Jérémy Frérot. Mon prochain invité sur RFM, parce qu'il revient avec un nouveau single. Ah, j'adore son Un travail. Homme, tout simplement. Mmh. Ça, c'est bien aussi. Bravo. C'est un score parfait. Sans faute. Et Emmanuel, tu es un homme très occupé. Il y a toujours la série Demain nous appartient. Exactement. Bon, là, je suis en petite pause là pendant quelques semaines parce qu'effectivement, je me consacre au lancement du titre. Mais ouais, je suis assez gâté. Ça fait 3 ans que je travaille avec eux. Je donne vie au personnage de François Lehaut. Et j'avoue que je suis assez gâté. Je trouve que les auteurs, ils développent bien ce personnage. Ça me plaît beaucoup. J'ai été confronté à jouer de super arches, de super histoires. J'adore le travail que je fais avec eux. Voilà, ça n'a pas été simple au début. Il a fallu que je rentre dans la machine parce que c'est vrai que c'est une manière de travailler qui est assez rapide, condensé, mais je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui, vraiment. Et puis il y a aussi ce projet, tu fais la musique et la chanson d'un court-métrage avec deux copains, qui s'appelle La Nuit d'Estia. Exactement. Et, d'ailleurs c'est dans un festival, dans le résultat c'est dans quelques jours. Alors c'est le Nikon Film Festival, exactement, voilà. Les résultats ce seront le 27 avril, la remise des prix, on fait partie des 50 finalistes, et nous on a l'envie de faire un film musical, et on a utilisé le Nikon Film Festival pour faire comme un teaser en fait du film qu'on veut faire. D'accord. Donc l'idée c'est de faire plein de festivals de courts métrages et d'aller avoir le plus de prix possible pour avoir des aides pour pouvoir faire le film qu'on a envie de faire. Voilà. D'accord. Ça s'appelle La Nuit d'Estia. C'est une histoire de sorcière. J'étais voir le clip. Est-ce qu'on peut mettre un petit extrait? Ah, c'est chouette, c'est gentil. Ah.
Allez voir ça, hein, ça dure, là pour l'instant c'est 2 minutes 20. Ouais, 2 minutes 20 parce que c'est le cadre du Nikon Festival, c'est 2h20. L'idée c'est de faire un film musical, donc là en fait pour 2h20 c'est une chanson où en fait il y a voilà, plusieurs personnages dont le personnage principal et effectivement une espèce de cliffhanger à la fin, on ne sait pas ce qui va se passer. Et oui. Voilà. Et oui, c'est comme, c'est vraiment beau. Hein. C'est l'heure du deuxième live, tu as accepté de nous faire un cadeau en piano-voix, on a amené un piano et on va t'entendre chanter Beau Malheur, qui est pour moi une sublime chanson, on avait envie de te l'entendre chanter ici pour ton retour, parce que les gens et les auditeurs d'RFM adorent cette chanson. Je vous rappelle qu'on est sur la page Facebook d'RFM en Facebook Live, le temps qu'Emmanuel s'installe, le piano, le casque, le micro et une version piano-voix que je vous recommande, que j'ai entendu tout à l'heure dans les balances, comme on dit, et qui est très très jolie, ça nous fait plaisir de l'entendre. Emmanuel Moir, Beau Malheur, les amis, c'est en live sur RFM, en direct. Tu me dis que rien ne passe, même au bout d'un moment, qu'un beau jour c'est une impasse, et derrière l'océan, que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent, que tout refait surface comme hier droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps, qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant, pour regarder en arrière, revenir en souriant, en gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire, qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Beau malheur. Tu me dis que rien n'efface, ni la craie ni le sang, qu'on apprend après la classe ou après ses 30 ans, qu'on peut dire 3 fois hélas, que personne ne l'entend, comme personne ne remplace ceux qui partent pour longtemps. Tu me dis que vient l'hiver, qu'on oublie le printemps, que l'on vide les étagères, qu'on remplit autrement, qu'on se rappelle les yeux verts, le rire à chaque instant, qu'après tout la voix se perd, mais les mots sont vivants. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire, qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Tu me dis que c'est un piège, un jeu pour les perdants, que le bateau est en liège et l'armure en fer blanc, que plus rien ne te protège, ou alors pas longtemps, que c'est comme un sortilège d'être seul à présent. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire, pour être rassuré, avant d'être consolé, pour ne plus rien cacher, bien avant d'être apaisé. Il m'a fallu la peur pour être rassuré, et j'ai connu la douleur avant d'être consolé. Il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, et j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Wow,
Quelle belle version magnifique en direct, Emmanuel Moir, Beau Malheur en piano voix sur RFM. Waouh, j'ai adoré. On a tous adoré. Ça, c'est une version à garder. Alors, avant de se quitter, on n'a plus beaucoup de temps. Je voulais dire, ça fait 20 ans que tu as fait Le Roi Soleil. Je regardais ça. 20 ans, on peut se faire plaisir, Margot. C'est parti. Être à la hauteur. Oh, quelle chanson. Ça aussi, hein, on n'a jamais arrêté de le passer sur RFM, les auditeurs adorent. Et puis, une autre, évidemment. Mon essentiel, bah évidemment. Je me suis laissé dire qu'il y avait un projet pour remonter le spectacle, parce qu'on a vu le retour de Starmania, de Notre-Dame. De... Ouais, il y a une nostalgie de tous ces spectacles-là. Ouais. Ouais, on a envie de les revoir. Je te confirme qu'effectivement, c'est en projet. Je ne te dirai pas si j'en fais partie ou pas. Non, parce que ce n'est pas acté encore pour l'instant. D'accord. Voilà. Petite déception. Non, mais je croyais que tu allais me dire ça y est, je remonte sur scène. Non. Je me positionnerai pas dessus. D'accord. Mais enfin, on a compris que ça t'intéressait. Ça pouvait. J'ai vu la lueur dans ton regard. Non, mais j'ai un affect, évidemment. Ouais. J'ai des souvenirs mémorables. C'était tellement une belle aventure que je peux pas oublier ça, évidemment. Et à côté de toi, on a découvert Christophe Maé aussi, que j'ai eu par SMS et qui a dit, je lis ce qu'il a écrit, Manu a été mon frère il y a 20 ans, il le sera toujours. Oh, il est adorable. Merci, voilà. Christophe. Et on va réécouter un extrait du nouveau single quand même. Sois un homme, il est venu pour ça. Allez, nouveau single. Comment ? Première fois que tu le chantais en radio, c'était ici il y a quelques minutes. Ça m'a fait un petit stress quand même. Hein. Merci pour le petit stress de la journée. Mais c'était super. Et puis merci de ta gentillesse, de ta disponibilité. Avec plaisir. Emmanuel Moir était notre invité. Merci à Fabien et Margot, au son, Carole et Florian, à l'image, les amis. On se retrouve dans un instant pour le meilleur de la musique d'RFM. Emmanuel, à bientôt, Manu. Et merci encore. Avec plaisir.